lundi 6 mai. J'espère que vous allez bien, que vous allez moins froid que moi, parce que franchement, je me gèle. À part ça, bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, aux fidèles. Merci aux membres, que je n'oublie pas. Mais bon, je ferai un live que pour les membres bientôt. Et pour tout le monde, je serai aussi un live. J'attends les dernières cartes qui devraient arriver. Alors, la question d'une personne qui, bon, qui ne veut pas que je dise son nom, mais qui se reconnaîtra, à propos de la vague qui déferle sur la fiche des JO. Donc, cette personne me demande ce que ça signifie. Est-ce qu'il y a un symbole caché? Est-ce que c'est pour faire joli? Est-ce que c'est juste surfer sur la vague? Est-ce que c'est un défi qu'on relève? Ou est-ce que c'est une menace? Donc, est-ce qu'il y a un message dans cette vague? Je vous remets l'affiche des JO en vous montrant de quoi il s'agit si vous n'aviez pas remarqué. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose, hein, parce qu'ils ont tendance à nous mettre sous le nez ce qu'ils veulent faire, hein. Vous savez comment ils fonctionnent. Ah, il y a le QR code. Bon, ça, c'est bien les JO. Les gens qui célèbrent. Bon, on est dans les histoires de célébration par rapport à, effectivement, des histoires de QR code. Je pense que là, on est parti, effectivement, sur les JO. Je vais prendre peut-être le Divine Actu en même temps. Voilà, comme ça, on aura encore plus d'informations. Si besoin est. Donc, on va demander. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec... avec cette vague. Alors, il y a des questions d'étrangers. De terre. D'épanouissement. Bon, bah, arrivée d'étrangers, hein, tout simplement. Sur notre terre, sur notre patrie, sur la France. Quelque chose qui s'épanouit. Donc, c'est une vague déferlante d'étrangers. Bah, écoutez, voilà. Hein. Apparemment, c'est donc... qui va engloutir la France. Voilà, c'est ce que je vois tout de suite, hein. Je veux dire, pas besoin d'aller plus loin avec ça, c'est très facile à comprendre, et des choses qui risquent d'exploser aussi. Alors, est-ce que c'est autre chose? Moi, j'ai l'impression avec ça, j'avais l'impression que c'était le départ, c'est-à-dire que quand les JO vont démarrer, vous voyez, eh bien, ce sera à ce moment-là qu'il y aura un afflux d'étrangers. C'est ce que je vois, hein. Mais c'est pas par rapport... aux gens qui vont venir pour les JO, qui viennent de tous les pays. Non, je crois que c'est vraiment autre chose, des migrants, des choses comme ça. Apparemment, il y a des histoires aussi de retard. Ils sont en retard par rapport à ce projet. Il y a aussi des aides qui vont être apportées. Bon, ben, il s'agit de migrants, hein, vous avez compris. Des aides qui vont être apportées aux migrants. Il y a des lois qui vont arriver en ce sens. Ben, c'est bien une population, hein. Ouais. Et c'est bien une intention maléfique, hein. Bon. Mais une arrivée de migrants qui va déferler sur la France. C'est ça que je vois. Est-ce que j'ai bien compris? On va demander au jeu. Ouais, c'est bien la nouvelle, hein. Et c'est bien quelque chose qui va faire que, vous voyez, on ne s'en sortira pas de ce problème. Les choses qui tournent en rond. Donc, on ne se sortira pas de ce problème d'arrivée massive des migrants. Nouvelle qui arrive. Alors, bonne nouvelle pour eux, mauvaise pour nous, hein. Enfin, bon, ça, je pense qu'on sera d'accord. Ouais, regardez, j'ai la guerre. La guerre. Alors, quand je dis la guerre, ça peut être évidemment la guerre civile, hein. Les affrontements, mais des affrontements très, très, très violents, là. Attention, moi, je vois un problème en France à ce point de vue-là. Vous savez, comme moi, hein, qu'il y a de plus en plus de violence actuellement. Pas que les jeunes, d'ailleurs, en général. Eh bien, c'est ça que je vois. Ça va être voulu. Bon, on va demander au Divine Actu. Donc, plutôt à partir des JO, il y a quelque chose qui va décoller. Alors, donc, sur l'été. Bah, écoutez, voilà. Une vague déferlante. Une vague de migrants, donc c'est sorti tout de suite. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je vois, en tout cas. On va demander au Divine Actu s'il peut nous donner autre chose. S'il est d'accord, quoi, en gros. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est un bon petit jeu aussi. Hein.
Alors, est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vague qui déferle? Moi, mon oracle m'a dit très nettement que c'était en rapport avec l'étranger. Vous avez vu d'ailleurs les passeports et tout, hein. Donc, il y aura vraiment des histoires de papiers de régularisation, hein. Ça, c'est évident. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette vague déferlante? Isolée, les bâtiments, la famille. Ouais. D'accord. Bon, pour l'instant, ok. L'Armageddon. Ah bah d'accord. Il est optimiste le jeu. Hein. Asservir, enchaîner. Ouais, ça sort pas mal. Hein. Regardez. Asservir la famille. L'enchaîner. Isoler. Isoler les familles et les enchaîner. Voilà, on peut faire une petite histoire. Il y a des questions d'immobilier aussi. Bon, bah, les gens ne vont pas se laisser faire. Donc, le divin actuel, il est d'accord quand même avec moi, puisqu'il me parle bien de rendre les familles isolées, les asservir. Hein. Vous avez bien ici les cartes hein, qui sont bien sorties avec les questions d'Armageddon. Donc, en fait, ça veut dire provoquer des affrontements, hein, tout simplement. Hein. Et effectivement, révolution, c'est ce que je vous parlais de guerre civile. Ben oui, les gens ne vont plus se laisser faire. Donc là, on va vraiment vers des affrontements. Hein. Alors, sous terre, qu'est-ce qu'on a sous terre? Les reptiliens sous terre. Ah, d'accord. C'est vrai que les reptiliens sont sous terre, en plus. Oui, ils se cachent. Bon, donc tout ça, effectivement, c'est voulu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le divin actuel est très en forme. Ouais, vous voyez, émancipation. Donc, ça va vraiment créer des mouvements de population parce que les Français vont évidemment défendre leur territoire. Alors, il y aura beaucoup de questions de justice. Hein. Ouais, ça. Ah, bah, c'est l'Europe. D'accord. Hein. C'est l'Europe qui va, en fait, vous voyez, c'est les lois qui vont passer au niveau de l'Europe pour provoquer cet afflux de migrants, cette vague. Alors, il y a des histoires de passe après qui arrivent. Des lois. Ah, et ben, alors là, ils vont faire la totale. Hein. Ils vont nous faire la totale au niveau des lois. Confifi. Ben, ça va très bien avec le passe. Hein. Ouais. Donc, ils veulent vraiment... J'avais enchaîné tout à l'heure. Eh bien, oui, il s'agit ici, d'enchaîner la population. Bon, Nuremberg, moi, je la... Pour moi, je vous ai toujours dit que ça ne servira à rien. Il y en a qui y croient encore. Et là, on parle d'apocalypse. Bon, ben, alors, on avait Armageddon. Là, on a apocalypse. J'ai pas fait exprès. Hein. Bon, l'Armageddon, c'est pas maintenant, je vous rassure. Par contre, l'apocalypse, c'est possible. Non, is non. Bon, ben, refus. Donc, voilà, vous avez compris. Hein, le divin actu me dit la même chose que mon oracle. Il s'agit d'amener une vague de migrants qui va engloutir. Donc, c'est bien le principe du tsunami hein, sur la fiche qui va engloutir la population française. Et qui va créer des affrontements, voire une guerre civile. Voilà, bah, écoutez, youpi, tralala. Bah, c'est un peu ce que je vois malheureusement en astrologie. Je vous en parlerai pendant le live. Je vois des confrontations. Bon, ok. Alors, pour rester dans les histoires de plans, j'ai vu qu'il y avait la visite de Xi Jinping. Là, il a non pas possible ce type... président chinois, là, ouais, enfin, ou l'émissaire de la Chine, hein, avec Madame Leyen. Voilà. Donc, on va demander un peu qu'est-ce qu'ils font, là, tous les deux, là. Pourquoi est-ce que Caligula les a reçus? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils préparent? Mais surtout la Chine, hein. On va demander pourquoi est-ce que la Chine est invitée à Paris? Qu'est-ce que ça cache? Parce que... J'avais quelque chose que j'avais vu ou dit il y a longtemps. Ah, mais c'est peut-être pas en live ou c'est peut-être pas dans une vidéo. C'est possible que ce soit à une personne que j'ai dit ça en consultation. Je vois des ingérences étrangères en France. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'empereur de Chine, n'importe quoi. Le ministre ou je sais pas qui, là, de Chine, Xi Jinping, là, qui est venu. Voilà. Alors, bon, alors là, on a une tristesse. Ok, on a de la tristesse. Ok, bon, pour l'instant, j'en sais pas plus. On va demander qu'est-ce qu'il nous prépare, hein, d'accord? Pourquoi est-ce que la Chine est invitée?
en France et qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce que ça cache, hein, qu'est-ce qu'il va faire là à l'autre. Le tofu qui dort, il est sage, donc vous ne l'entendrez pas aujourd'hui. Alors, de l'eau, une séduction, la richesse. Et des questions de vouloir attirer. Alors, peut-être les capitaux. Il y a des histoires de capitaux. Alors, quand la carte du patrimoine, hein, d'accord. Donc, les capitaux étrangers. Alors, pourquoi de l'eau? Bah, on a soif. Oui, on a besoin. On a soif, on n'a plus de sous. On a besoin de capitaux. Il y a des histoires d'opérations séduction, là. Pour attirer le pays étranger. Tiens, c'est bizarre que j'ai ça. Le peuple. Le calme. C'est marrant, ça fait penser à des histoires de grands bâtiments, ça. De patrimoine immobilier, des grands, vous voyez, des beaux bâtiments. Pourquoi est-ce que j'ai le DNA, là? C'est quoi ce truc? Ça, c'est aussi l'identité, hein. Évidemment, notre identité passe par notre patrimoine génétique. Aïe, 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 il y a de la corruption, là. On échange des grosses valises de billets. La connerie humaine, que vous connaissez bien maintenant. Une protection. Alors, essayons de voir. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire, là? J'ai des histoires de désaltérer, d'assouvir, assouvir quelque chose. La soif, l'identité. Mais il y a des histoires de corruption, de dessous de table. Des choses qui sont en route, qui ne sont pas bonnes, qui sont stupides. Pourquoi est-ce que j'ai la Chine qui est là? Bon, ils veulent l'attirer avec des capitaux. Il y a des dessous de table. Ouais. C'est pas une bonne idée, me dit le jeu. Ah, il a besoin d'argent, hein. Il a besoin d'argent, Calgula. Et alors, donc on va lui donner de l'argent. La Chine lui donne de l'argent, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un homme. Ouais, ça peut être lui, hein. De la concurrence. Un arbitrage. Ah! Des choses qui progressent. Bon, il est en train de demander des conseils à la Chine, là. Et je vais vous dire quelque chose. Je crois que j'ai compris pourquoi j'avais ça. Ça, c'est pour préserver. Attendez, vous voyez pas? Attendez, je vais enlever le reflet. Voilà, au niveau de la lumière, ça devrait aller mieux. Alors, pour préserver, je viens de le comprendre, en fait. Pour préserver, ah, il m'énerve ce reflet, la paix des riches, pour garantir la paix aux riches, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des conseils à la Chine, parce que eux, c'est vrai que là-bas, ils contrôlent les populations, hein. Bah, c'est ça, pour éviter les rivalités, pour éviter que les riches se sentent menacés. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'arbitrage, là. Bon, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est évident. Mais lui, il va considérer que c'est une bonne idée de s'inspirer du modèle chinois. Voilà. C'est le modèle chinois qui arrive chez nous. Avec des billets qui sont échangés de part et d'autre. Il y a une population qui risque de perdre son identité. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi, vous savez, avec le QR code. Hein. Attendez, est-ce que c'est ça? Parce que vous voyez, vous avez le guide. Donc là, on explique comment faire pour traverser quelque chose qui est difficile. Bon, ben, ok. Alors, est-ce que l'autre, il veut mettre le crédit social? Parce qu'en fait, c'est à ça que je pense, moi. J'ai quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez, on arbitre pour que les riches... Les riches soient tranquilles, voilà, qu'ils ont leur havre de paix, qu'ils puissent continuer à vivre tranquillement avec leur richesse et leur patrimoine en paix. Donc pour ça, il faut instaurer la paix sociale. Bon,
Bien, bien. Alors, ça veut dire que d'abord, il va nous mettre le bazar. Hein, on l'a vu juste dans la vidéo juste avant. Et ensuite, eh bien, il va faire appel à la Chin-Chin pour dire, mais comment on peut mettre les gens sous contrôle? Ouais. Donc, c'est un alibi, quoi. Un alibi qui va lui permettre de justifier ses mesures. C'est ce que je vois, moi. On va demander, est-ce que c'est le crédit Chin-Chin qu'il veut mettre? Parce que je ne vois pas pourquoi la Chine serait là, sinon. Hein. Ah, ben oui. Oh, joie. Oui. Alors, c'est quand même encore un peu secret. Hein. Mais c'est en route aussi. Mais vous voyez, le personnage sur la carte tourne le dos. Donc, c'est... On y va, voilà, on va vers ça. Donc, le Kaligla, il est content. Mais c'est pas franc. Hein, c'est pas franc. Puisque le personnage tourne le dos. Donc, c'est caché. Mais on va vers ça, oui. Le passage de relais, ben c'est ça. Hein. Il veut donner le relais à la Chin-Chin. Bon, c'est effectivement Xing machin, là. Ouais, c'est en projet, les amis, hein. C'est la carte des projets, ça. Donc, il veut bien mettre ça en place. Ouais. Les aliens, bah, c'est l'invasion d'étrangers encore, quoi. Alors, après, j'ai le poison. Et c'est quoi, c'est déjà? Ah oui, c'est la jalousie, m'a dit. La jalousie. Alors, pourquoi j'ai le poison? Attendez. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, en fait, c'est pour éviter aussi les débordements par rapport à ce qu'ils nous ont fait avec le... Voilà. Pourquoi c'est la carte de l'alien, je viens de le comprendre. C'est parce que vous savez très bien que la soupe modifie le capital, le génétique, pardon, le génétique humain. Ça modifie ceci. Et que beaucoup sont en train de s'en apercevoir. Donc, c'est pareil, on met les gens sous contrôle et comme ça, ça leur évite de trop chercher, de trop manifester, de trop râler. Hein. Alors, je suis en train de réfléchir que normalement, ça, c'est la carte de la jalousie, mais vous savez quoi? C'est aussi la carte de la colère. Hein. Je suis en train de m'apercevoir que la carte, finalement, elle peut aussi montrer la colère. On explose de colère, là. C'est pour éviter ça. Voilà, ben, il va empêcher les gens de se réunir. Ça vous rappelle la carte des confifis, ça, vous voyez? Ben, c'est ça. Donc, il veut bien nous mettre le crédit. Le crédit Chin-Chin en France pour que les gens se retrouvent dans l'impasse. Voilà. Sauf que, ça va se savoir. D'une façon ou d'une autre, les gens vont s'en apercevoir. Ouais. Je sais pas comment, mais c'est pour grâce à mes petites vidéos, c'est autre chose. Hein. Il y a des gens qui vont s'apercevoir de ce qui va se mettre en place. Ah, il y a peut-être des politiciens d'ailleurs qui pourraient s'en apercevoir. Oui, oui, oui. Par contre, ces politiciens, ils ont intérêt à faire attention parce que leur vie pourrait être mise en danger. Bon, alors, ben oui, c'est vraiment en route. Hein. Vous voyez, la bonne récolte. C'est ce qu'il veut faire, l'autre. Hein. Bon. D'accord. Donc, ça ne m'étonnerait pas que la Chin-Chin commence à racheter tout ce qui va être vendu, là, tout ce qui va être ruiné, qui s'amène avec leurs capitaux et qui rachète tout, quoi. Ça ne m'étonnerait pas aussi. Bon. On va demander au Divinactus ce qu'il en pense. Alors, je vais prendre trois temps. Est-ce qu'il y a le crédit à la Chin-Chin qui arrive? Parce que ça, c'est un vrai danger, hein. Alors, évidemment, ce ne sera pas tout de suite, parce qu'il faudra d'abord laisser les gens, n'est-ce pas, s'entretuer. Hein, vous avez compris comment, puisque je l'ai dit dans la vidéo juste avant. Et puis après, on arrive, on dit, ah, mais il faut rétablir l'ordre. Et bien, pour cela, on va demander à nos petits copains de la Chin-Chin comment ils font. Et on va faire pareil. Ben, dites voir, c'est vraiment machiavélique. Hein. Voilà, vous avez dispute, affrontement. Voyez, dispute, affrontement. Alors, ubérisation, c'est tous les étrangers, là, vous voyez, qui travaillent à bas coût. Hein. Ben, c'est ça, en fait. Hein. Voilà. Et qui viennent remplacer, par exemple, les Uber ont remplacé les taxis. Hein. Ben, c'est ça, en fait. Ben, ça va être la même chose. Par exemple, vous allez avoir
des restaurants chinois qui vont remplacer les bons restaurants français. Ah non, mais je vous assure, hein, en tout cas, c'est le plan. Hein. Alors, est-ce que l'autre, il veut bien mettre le crédit à la Chine Chine? On va l'appeler comme ça. Hein. Préparation, planification. Il y a quelque chose par rapport aussi aux personnes âgées. C'est marrant, ça fait deux fois que j'ai la fusée. Ok. Bon, alors ça peut-être n'a rien à voir. Hein. On va regarder. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Parce que si en plus il y a des trucs dans l'atmosphère, alors moi je ne sais plus. Hein. Bon, là il y a quelque chose. Alors soit c'est mature par rapport au plan, soit c'est par rapport aux personnes âgées. Météorite. Tiens, tiens, c'est curieux ça. La famine. Aïe. Bon, ça c'est pas très bon pour les retraités. Héritage, transmission. Bon, là il y a un problème. Hein. Alors, on va laisser la fusée. Hein. Ça peut montrer aussi la guerre. Il y a un problème, là. Là, il a aussi comme plan, vous voyez, hein, je crois que c'est vraiment les retraités. Hein, les retraités, au niveau des transmissions de patrimoine, là, il veut les mettre à sec. Hein. Bon, c'est pas bon du tout. Non. Ici, bon, c'est dans la préparation, hein. Alors, on a quand même des météorites et on a des trucs dans l'espace, là. Tiens. Bon, alors ça, effectivement, les trucs dans l'espace, je les vois qui se rapprochent. Les missiles, etc. Hein. C'est pas forcément la NASA. Ça peut être tout simplement les missiles. Alors, le départ. Le départ de quoi? Les banques. Ouais. Alors, là, la déshumanisation, hein. Bon. L'enfant en danger. Oui, mais ça, c'est tout ça, c'est les histoires de violence hein, qu'on a là. Hein. Ça va continuer. Hein. Tant que les gens, ils n'auront pas compris, tant qu'ils ne sortiront pas de leur zone de confort, ça continuera ça. Hein. Alors, attendez, là, j'ai départ et j'ai requis. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Aïe, 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 aïe. Bon, ben ça, c'est la sursang. La sursang. Bon, j'ai pas de carte de crédit social apparemment dans ce jeu. J'ai la sursang qui sort. J'ai les histoires d'aide alimentaire. Est-ce que on parle de crédit social là ou pas? Le village de province. Malsain. Oui, bon, ça, c'est les choses qui vont se dégrader dans les petits villages. Hein. Attention, hein. Il y a des voyous qui arrivent là. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres cartes. Donc, j'ai pas de carte de crédit social. Donc, on va continuer sur les histoires. Je reposerai la question tout à l'heure. On va continuer sur les histoires de NASA, là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ou d'atmosphère? Aliénation. Oh là là, mais c'est des cartes horribles que je vous sors, là. Confession. Des choses qui vont rapidement. Bon, les JO, d'accord. Ben ça, de toute façon... Bon, on va prendre un autre jeu parce que là, il est en train de se perdre, le Divine Actu. Je suis en train de le perdre avec et ça m'énerve. On va demander à l'Aurora. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Il y a des choses qui bougent. Ben ça, c'était évident. On va reposer la question. Le plan de Caligula avec la Chine, hein, parce que parce qu'il y a forcément un plan. Bon, là il y a des histoires de observation et d'inquiétude. Bon, il a peur de quelque chose quand même lui. Hein. Oui, il a peur que les gens se réveillent quoi. Ben, c'est ça. Hein. Ouais. Je comprends pas que les gens ne soient pas plus réveillés, d'ailleurs, mais enfin, bref. Alors, le plan du fou, là, c'est quoi? La tristesse. Bon, alors, il y a des histoires de prémonition, de déduction, de foi. Ça, c'est encore le christianisme. Il y a des cartes qui sont tombées. Le choix... Ouais, quand je vous dis, il y a des histoires de christianisme.
Il veut détruire vraiment tout ce qui est... Alors, non seulement il veut détruire l'espoir des Français, l'espoir qu'il leur reste, mais en plus, il veut détruire tout ce qui est christianisme. Ben, je le vois ici. Hein. Il veut créer encore une fracture dans la société. Et il veut faire en sorte de désespérer les gens, quoi. Il leur enlever vraiment, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Ben, c'est ce qui vient de me venir en tête, hein. C'est ça, en fait. D'accord. Donc, en fait, il veut leur couper vraiment... Vous voyez, on avait l'impasse tout à l'heure. Il veut couper toute voie, toute solution aux gens. Mondial, le changement. Ben oui, il y a quelque chose de très important qui arrive, là. Hein. Vous voyez, très, très important. Une nouvelle orientation, hein. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, mais c'est même plus que ça. Hein. Là, il veut tout changer. Bah oui. Il veut mettre quoi en place? Mystère. Bon. Bah, on va essayer de creuser, alors. Bon, bah écoutez, on va essayer de creuser. Il veut tout démolir. Voilà. Merci, Aurora. Il veut tout casser. Mais c'est mystère, c'est aussi caché, en fait, un petit peu. Hein. Il veut tout casser, détruire tout ce qu'est la France, la culture, le mot patrie, l'identité française, tout. Sauf que les gens vont dire non. Alors, attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui est ignorant. Qui est ignorant? Est-ce que c'est Caligula? Ouais, il va se heurter quand même à... Il va quand même se heurter à un obstacle. Ce ne sera pas aussi facile qu'il le pense. Parce que les gens, là, les gens risquent de faire justement l'union. Parce que là, si on s'attaque vraiment aux fondements les plus profonds, vous voyez, de la France, là, il y aura une réaction. Enfin. Voilà. Le contact populaire ou le contact... Là, les gens vont réagir et vont s'organiser. Pour restaurer certainement le temps d'autrefois. Mais attention à la dépendance. Hein. Il faudra agir avec discernement. C'est encore les choses cachées, ça. Bon, ben écoutez, ça va très mal se passer, hein. C'est ce que je vois depuis des mois, que on va vraiment vers des contestations, de plus en plus. C'est-à-dire que plus ils vont resserrer, plus les gens vont réagir. Ah, c'est toujours pareil, hein, action-réaction, action-réaction, mais c'est toujours réaction. Or là, il faudrait déjà arrêter d'être en réaction et commencer à stratégiquement agir différemment. En tout cas... On va vers des confrontations, le peuple contre le gouvernement. Ça va très mal se passer. Donc oui, il veut tout démolir pour remettre un autre système en place. Bon, je pense que vous en doutiez déjà. Hein. Mais c'est vraiment, c'est net. Hein. C'est clair et net. Sauf que là, les gens vont se dire non. Donc c'est la guerre civile, hein. C'est vraiment ça. Et contre le gouvernement. C'est vraiment ça que je vois, moi. Bon, ben voilà. Puis il y a l'antéchrist qui arrive. Ah ben non, mais non, sinon ça aurait pas été drôle. Bon, ça, c'est la nouvelle religion. Hein. Ça, c'est la rumeur. Oui, Umbrella Academy, je suis fan. Je suis fan. Donc, c'est secret, mais c'est aussi quelque chose qui arrive et qu'on ne peut pas empêcher. Hein. Attention à lui. Hein. Il arrive et c'est pas... comment dire? C'est pas une illusion, lui. Hein. Je le sors tout le temps dans les cartes en ce moment. Il veut sortir, il veut se montrer. Et il va arriver. Donc, encore un problème en plus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ben, il va falloir se soutenir les uns les autres. Hein. Prendre soin les uns des autres. Notamment les histoires de permaculture. Vous avez vu les agriculteurs? Pour l'instant, ils vont avoir gain de cause. Mais à mon avis, comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est... Ça ne durera pas longtemps. Hein.
La résistance, vous voyez, la résistance passera par le soutien, la solidarité, la vraie. Et bien sûr, les histoires de nourriture, hein, pouvoir continuer à se nourrir. Bon, bah, la résistance, quoi. Parce que ce qui va arriver, c'est la déferlante. Hein. Vous voyez, on a le tsunami. Là, il y a une destruction. Vraiment, ça va être... ça va être rock'n'roll. Hein. Alors, on a le feu, on a l'eau. Bah, on a tout, là. Ouais, on a tout. Alors, là, c'est un chemin qui monte... Ah ben voyez, regardez, encore les histoires de solidarité. Il y a quand même quelque chose qui va se passer là. Moi, je vois quand même des communautés se former. Des communautés se former pour s'entraider. Il y a quelque chose qui arrive, qui est pas mal de ce point de vue-là. Mais, toujours pareil, il y a toujours la division. Hein. Il y en a qui vont suivre le système parce qu'ils auront peur... De manquer, vous voyez, le manque, les pénuries. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une société à deux vitesses. Des gens qui vont refuser la destruction et qui vont essayer de préserver ce qui peut être préservé au niveau de l'identité française, et les autres qui vont suivre parce que ils vont vouloir rester dans leur zone de confort et ne manquer de rien. Mais ça va faire des dégâts, hein. Les enfants... Toujours les enfants. Attention aux enfants. Il y a des choses aussi qui vont être décidées pour les enfants, pour leur faire du mal. Hein. Mais ça, on a affaire à des psychopathes, donc c'est normal. Par rapport à l'urgence climatique, entre guillemets, hein, on se comprend. Ouais, et des choses aussi qui sont en préparation. Bon, écoutez, je ne vais pas en dire de trop. Mais c'est un combat qui ne sera pas résolu en quelques mois. C'est un combat de longue haleine. Et moi, ce qui m'embête, c'est que les gens, ils vont mettre trop de temps à se réveiller, à comprendre ce qui va leur tomber dessus. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Gardons l'œil ouvert. Et surtout, surtout, il faut garder notre conscience, notre âme. Et ne pas se laisser acheter. Parce que c'est le problème, c'est la corruption. Hein. Voilà. À bientôt tout le monde. Au revoir.